Yop tout le monde, ici Originals, l'homme qui sort une vidéo tous les 8 ans, mais c'est pas grave, je suis en vacances maintenant. Alors ça va changer, ou pas. Bref, aujourd'hui on parlera peu, mais on parlera bien. Parce que le jeu que je vais vous montrer, bande de petites enflures, c'est ni plus ni moins qu'Overwatch. Eh ouais, un jeu fait par Blizzard pour pas changer. C'est un FPS en équipe blabla, on s'en tamponne des explications trouvées sur Wikipédia. Donc je vais vous faire une petite compile des persos que je préfère. Alors pour le premier perso que je vais tester, j'ai choisi Genji. Genji qui est donc un espèce de samouraï un peu robotisé, cheaté de la vie. Donc au niveau des attaques, parce que c'est un petit peu un espèce de MOBA en version FPS ce jeu. Donc le clic droit à l'attaque principale, vous envoyez des shurikens à la con. Le clic gauche, c'est 3 shurikens, donc une salve de shurikens pour bien les violer. Vous avez votre le dash, bon moi je l'ai mis sur la touche majuscule, le dash qui permet, hop, vous foncez sur l'ennemi, et si vous tuez l'ennemi ça réinitialise le cooldown. Le E qui vous permet d'envoyer tout, les projectiles dans la gueule des adversaires, et ensuite on a l'ulti cheaté qui permet carrément, allez hop hop hop, les coups de sabre dans la gueule, le truc, ah, je me suis fait défonce la gueule. C'est la vie, hein. On peut pas être bon tout le temps. Ah oui, je joue contre des bots, hein. Après, je vous mettrai une petite compilation avec de la musique contre des vrais joueurs, mais là, je suis mauvais, donc je joue contre des bots. Et aussi, le passif du perso, il peut grimper au mur, et surtout, il a le double saut. Donc en fait, il est méga fragile, mais il a une mobilité de ouf. Allez, c'est parti pour la petite compile en musique. Deuxième perso choisi, et c'est pas du tout mon préféré, c'est le faucheur. Mon dieu, ce personnage, regardez le E, hop, je me TP comme une baltringue. Majuscule, hop, vous transformez en spectre, en fait vous pouvez pas attaquer rien mais vous êtes insensible aux dégâts et à tout ce genre de choses. Puis après il y a juste une seule attaque, c'est le bourrinage avec ces deux putains de fusils d'assaut de Péglan là. Donc par contre ce qui est pas droit, ah, voilà. Au pire, là vous claquez l'ulti qui fait, qui n'a rien fait. L'ulti qui n'a rien fait parce que en face ils avaient l'ulti de Zenny Attack qui protège tous les alliés. Donc je suis rect. Bref, l'ulti, faucheur tourne en rond et c'est drôle. Voilà. Alors, à distance vous êtes la pire des merdes. Et au corps à corps, bah, vous défoncez tout le monde, c'est aussi simple que ça. Donc je vais vous montrer son potentiel, c'est parti! Voilà que nous jouons Diva, la petite coréenne mignonne à croquer. Donc, majuscule, pff, wow, on vole, mobilité de cinglé. Bon, l'attaque, elle a les munitions infinies, ça c'est drôle. Le E, voilà, ça met une barrière qui rend, enfin,
ça ne renvoie pas les projectiles, mais ça les arrête. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais regardez, l'ulti, vous balancez votre robot dans le tas, qui va exploser, normalement faire, voilà, le café. Bon, j'ai tué qu'une seule personne, mais ça fait le café quand même, après vous retournez dans le robot. Là, je me suis fait prendre au dépourvu, donc là, un gros tank en face. Vous pouvez leur foncer dessus, ça les fait rebondir, hop, 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 hop. Bon, il me casse les noisettes, celui-là. Voilà, voilà. Donc, place à la musica. Il est badass, il est badass. C'est qui? C'est Macri. Alors voilà, c'est un personnage, c'est un cow-boy, mage roulade. Le E, vous balancez de la poudre qui stun le mec en face. Et puis après, voilà, il y a la mitraillette et tout. C'est un perso oufissime. Alors là, l'ulti que je vais complètement fail. Et en fait, non, voilà, j'en ai tué deux. J'en ai tué deux, mais on va passer directement. Tout de suite, on passe à la compile en musique parce que j'ai honte de moi. Allez, ciao. Ah ben voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de qualité Lidl. Donc, comme d'habitude, si tu as aimé, tu peux commenter, liker. Et surtout, si tu as l'âme d'un héros ou que tu es juste une pauvre merde qui aime les FPS en équipe, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, les gars, n'oubliez pas que ce monde aura toujours besoin de héros. Oui.